Et salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour l'épisode 16 si je me trompe pas. Donc on est parti sur du SnowRunner, hein. On va avoir un petit peu la suite de ce qu'il faut faire. Alors, hop, on continue. Bon, c'est vrai que ça fait depuis jeudi, hein, que j'ai pas touché. Ah non, même pas, c'est depuis mercredi passé que j'ai plus touché au jeu. Coucou YouTube, exactement. Voilà, bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer à mettre la journée, enfin du moins le petit matin. On va voir un petit peu l'émission qu'on devait faire. Attendez, hein, je vais voir vite fait. Ah, c'est vrai qu'ici, il y avait un truc à améliorer. Hein. Ça, on pourrait aller le faire, parce qu'on ne l'avait pas fait finalement. On a encore un autre ici, on a deux même. Mais on va faire ça, ça sera plus exploration pour le moment. Au moins comme ça, voilà, si on peut améliorer nos camions. Pourquoi pas? Alors, en tout cas, moi j'espère que je vais pas mourir de chaud, moi, avec le PC qui tourne à fond. Tu as l'épisode 6, non, ouais, sur YouTube? Ouais, c'est fort possible, ouais. Faut savoir que j'en ai pour, on va dire, pour début juillet. Je suis déjà début juillet, donc... Voilà, maintenant, bon, c'est vrai que y a du retard, parce que normalement, je mets à chaque fois les épisodes, j'enregistre du moins les épisodes, on va dire à l'avance. Pourquoi il y a un point là-bas? Attendez. Pourquoi je suis là-bas? Attendez. Donc, j'enregistre à l'avance, et du coup, il est au milieu du passage, lui. On va le prendre, ce qu'il est au milieu du passage. On sait même pas le prendre. Enfin, c'est... Soit. Et donc, du coup, je prends de l'avance. Et ici, il y a un gros problème, c'est que le vidéo ne veut plus se mettre sur YouTube. Je sais pas pourquoi. Ça reste sur uploadé. Hein. Mais il n'y a pas de suite, quoi. Donc, je sais pas pourquoi. Mais bon, j'ai de l'avance, hein, heureusement. Mais ça reste très embêtant. Bon, du coup, on va alors chercher... Ben, on va aller ici. Hein. On va prendre, du coup, le Marshall. Hop, passer par là, par ici. Je sais pas si c'est un jeu qui pourrait vraiment t'intéresser, Timéo. Bon petit jeu comme ça, qui est tiré de la réalité. Hein. Hop. Là, par exemple, il manque une petite musique là. C'est par ici. Donc là, on avait réparé le pont, hein, si je me rappelle bien. Oui, on l'avait réparé. Donc, on va pouvoir passer. Ah ouais, attendez. Là, je me trompe de chemin. C'est ici à droite. Non, j'aime pas trop ce jeu. Ah, bon. Après, voilà, il faut le goût un peu pour tout le monde. Mais t'es plus quoi comme style de jeu, justement, Timio? Ah ouais, là, on va devoir passer. Il y a même pas de route, en fait, pour aller le chercher ici. Hein. Donc, c'est vraiment... Ça va être du hors-piste. Bon. On va voir, hein. Ça va être peut-être hasardu, compliqué. Passer par là, par ici, et ici. On va essayer de faire ça. Ça va être compliqué, hein. Bon, on va changer de camion. C'est pas ça que je voulais faire. Changer de camion. Voilà. Et on est parti. Alors. Bon, c'est vrai qu'il y a le Chevrolet qui est toujours ici. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Jeu de construction. D'accord. Mais donc tu veux dire jeu de construction, on va dire comme Minecraft, ou on va dire un peu stratégique, tu dois construire ta ville, etc. Ah, par contre, juste une petite parenthèse, je vais juste mettre un petit truc pour moi, pour voir un petit peu la puissance du PC, pour pas que ça lag de lors de l'enregistrement. Au moins j'ai un petit visuel. Parce que là, effectivement, je sais pas pourquoi, mais ça tourne beaucoup la carte graphique. Qu'est-ce qui me fait... Attendez, hein. Un petit test. Sinon, je sais bien que sur ça va laguer lors de l'enregistrement. Ouais, ça va laguer. Bon, attendez. Attendez. Parce que ce jeu est encore mal optimisé. J'attends des mises à jour de celui-là. Il n'y en a pas. Je vais fermer tout ça, hein, tant pis. Je vais utiliser ça. Hop, hop. C'est les aléas du direct. Twitch, comme ça j'ai le retour des commentaires. Hop.
Tableau de bord. Voilà. Donc oui, j'ai passé aussi la chaîne au plus 18. Au moins comme ça, c'est plus facile. Moins de problèmes en théorie. Voilà. Donc normalement, tout est bon. Voilà. Mais je suis toujours à fond. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une mise à jour, quoi? Bon. On va voir. Ouais, quand Minecraft, ouais, bon, c'est bien ce que je pensais, mais pourquoi? Pourquoi le jeu demande autant de ressources tout d'un coup? Je vois pas ce qui pourrait. Bon, attendez. J'ai fermé les choses, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Steam, hop, quitter. Voilà. Parce que j'ai pas touché au réglage de par rapport à l'autre fois, donc je vois pas ce qui pourrait poser problème. Bon, sinon je suis obligé de descendre les graphiques, hein, c'est un petit peu un peu chiant. Ah là 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 là. Ah bah oui, bah, je sais pas pourquoi, bah voilà, encore un bug, on est repassé tout en ultra. Bon, ça je comprends mieux alors pourquoi et je. Donc pour moi ça va, mais c'est simplement parce que je filme, j'enregistre, enfin ouais j'enregistre et en même temps bah, je le mets sur YouTube, hein, donc je fais trois choses en même temps. Qualité de l'eau, ouais non non non, il y a bas et élevé, on n'a pas le choix. On va faire accepter. Hop, heureusement que j'ai vérifié avant. Voilà. Donc là normalement ce serait plus agréable pour tout le monde. Voilà. Il y a quoi d'autre du coup, Timéo, que tu pourrais, que t'aimes en termes de jeu, à part Minecraft, hein. Alors s'il y a d'autres personnes qui veulent répondre, ils peuvent répondre, hein, bien évidemment. Alors, donc on est parti, en espérant que ça sera des bonnes améliorations. Et voilà, donc en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que quand le PC demande trop de ressources, le jeu demande trop de ressources, ben on a des pertes d'image. Comme si je vois qu'il y en a une. On a eu une paire d'images. C'est pour éviter ça et aussi pour que ça lague pas lors des vidéos sur YouTube. Et j'ai remarqué que justement, bah, il y avait des lags. Et c'est pour ça que j'ai. Pour moi, ça va, hein, c'est jouable, hein, mais après, c'est pour l'enregistrement pour vous. Donc. C'est ça que je vérifie quand même par rapport à ça. Alors. Non, mais qu'est-ce que j'ai chaud, moi, en ce moment, c'est incroyable. C'est incroyable. Je pourrais vous montrer après combien il fait de degrés où je suis en ce moment. Puis le PC, bah, il va tourner à fond. Hein. C'est comme ce jeu, ça demande c'est un jeu qui demande beaucoup de ressources. Toi, je suis content que vous avez apprécié Koh-Lanta hier. C'était vraiment sympa. Après, bon, j'espère qu'il n'y a rien de grave avec Abdou qui a dû partir un petit peu en urgence, raison personnelle. Alors, attends, ici, c'est par ici. Hop, petite marche arrière. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, par rapport, voilà. On est en train d'agrandir un peu la famille, la famille, on va dire, de l'équipe, avec système de photos. Au moins comme ça vous pourrez mettre une tête sur tout le monde. Sinon voilà, il y a toujours Tipeee pour pouvoir nous soutenir gratuitement. Et je tiens aussi à remercier, il y a une personne qui a fait une donation sur Utip. Hein. Donc je tiens à remercier bah, la personne pour ses 10 euros de petites donations. C'est fort fort apprécié. Et donc bah, forcément bah, ça va directement être réinvesti pour le coup. Hein. C'est vraiment très sympathique. Alors, bon, pour le moment, on roule bien. Attention de ne pas se retourner. Hop. Attention, attention. Non, mais franchement, bon, je pensais vraiment que le jeu aurait eu pas mal de mises à jour. Sachant qu'il est pas mal buggé. Hein. Je me suis dit, bah au moins, bon, peut-être que les développeurs seront vraiment derrière, etc. Mais j'ai l'impression que les développeurs. Ils connaissent les bugs, mais est-ce qu'ils travaillent vraiment dessus? Ça fait quand même 2 semaines que j'attends quand même un patch qui permet de corriger des bugs.
Ce qui est assez... Oh là, attendez, là je me trompe de chemin là. Ah bah oui. Bon, on va faire demi-tour. Hop hop hop. Allez, allez. Voilà. Donc je rappelle hein, les vidéos sur YouTube. Hein, donc en tout cas pour les vidéos gaming, c'est une fois tous les 3 jours. Je sais bien que je disais une fois tous les 2 jours, mais finalement c'est une fois tous les 3 jours. En plus, moi là, il y a les bugs en plus sur YouTube. Hein. Je sais pas mettre les vidéos en ligne. Mais bon, j'ai de la marge. Et sinon, pour tout ce qui est émission par rapport à Tous Ensemble, c'est sur la chaîne Tous Ensemble sur YouTube aussi. Voilà. Donc c'est deux chaînes séparées, le Big Gaming et les émissions. Et ici, on est déjà en train de regarder par rapport à nos prochaines sorties, pour producteurs, etc. Endroit de tournage, etc. Donc voilà. Donc c'est en train de prendre pied, de prendre forme, tout doucement. Bon, alors ici, je crois qu'on arrive... Ouais. Ah non, on n'a pas encore... Je pensais qu'on était déjà là-bas, mais non. Ok. Hop. Donc je rappelle, hein, par rapport à ce jeu-ci, c'est des jeux... C'est un épisode qui va durer environ pour YouTube, environ une heure, hein, au maximum, environ. Voilà. Hop. Allez, allez. Bon, en tout cas tout se passe bien pour le moment, il pleut. Ben bon. Attention. On va pas se retourner là, on était parti pour se retourner. Hein. Donc on remercie l'arbre quand même. Essayer de se remettre droit. Oula. Attendez, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment se mettre comme ça. Voilà. Essayer de se remettre droit. C'est vrai qu'ici, passer avec un camion, c'est pas possible. Hein. On va donner des petits à-coups. Hein. Donc je regarde un petit peu pour la carte. Hein. On va essayer de se rappeler pour les prochaines fois. Donc ouais, on va pas passer par ici. C'est vrai que j'aurais pu passer par là. Hein. Pourquoi je suis passé par là en fait? Je sais pas. Mais on aurait pu passer par là et au moins on n'aurait pas eu de soucis. Bon. Soit. Alors. Ici avec un camion c'est mort. Enfin avec un camion, ouais, avec un camion ça peut passer, mais avec un... Et qu'on est chargé avec une remorque ou quoi. Pour le coup ça serait pas possible. Et puis voilà, si on tombe dans le ravin. Bon ça, on a quand même 60 litres de marge. Par contre je vois qu'il y en a quand même eu, on a eu quelques petits lags de nouveau. C'est bizarre ça quand même, hein. On a des lags par moment, enfin de lags pour vous, hein, pas pour moi j'ai pas de lag du tout, mais il y a encore eu quelques pertes d'image. C'est pour ça aussi que j'évite un peu de streamer sur ce jeu là, parce que je trouve en fait que je gâche le plaisir de pour vous et pour moi aussi quoi. C'est un peu dommage. Si en plus, ouais, c'est dommage. Hop. Bon, alors ici, on est bien sur l'endroit, voilà. Donc là, on va commencer à faire du hors-piste. On va faire attention, hein. Alors là, il y a un petit chemin, on va passer par là. Voilà. J'essaie de rester concentré, hein. Et on va essayer de ne pas se tourner. Surtout, voilà, on arrive au point qu'il faut. Alors, hop, désolé l'arbre. Voilà, on y arrive. Voilà, on va récupérer. Ok. Donc c'est un moteur populaire avec une puissance, une fiabilité et une accélération accrue au détriment de la consommation. D'accord. Et c'est pour quel véhicule? Donc on l'a peut-être, je crois, le premier. Hein, le Playstar. Enfin, le Playstar. Ah non, je crois pas que... Bah bon, au moins. On avance dans le jeu. Alors, donc ça c'est bon. Et les suivants, ce sera donc par ici. Parce qu'on va faire... Attends, je vais voir si on s'est passé là tout droit. On va faire un test.
On va faire un test assez ardu. Hein. Bon, c'est pas grave, au pire, je ferai un retour. Mais je pense pas que ça va passer. Hein. Honnêtement, je pense pas. Oh non, ça, je crois pas. Pour le moins, ça avance. Bon, ça se fait remporter, on va voir. Ah non. Il prend pas de dégâts moteurs, mais ouais, c'est bien trop profond. Oh, moi, et ça donne quoi dans. Alors, est-ce que. Pourquoi je peux pas être dans le cockpit? Ah. Donc, ils ont changé aussi les touches, alors j'ai plus l'accès au cockpit. Ouais, c'est embêtant ça. Bon, en tout cas, j'ai pas calé. Là, on se fait emporter, on le voit. Mais enfin, retour au garage, on va repartir du garage. Alors. Ah, mais par contre, on sait quand même. Il n'y a rien autour de nous, de toute façon. Alors. Récupérer. Voilà. Quitter le garage. Et c'était quoi l'autre véhicule alors? Changer de camion? Ah non, c'est Playstar, donc non. Ok, donc non, c'est pas pour ce moteur-là. Et on va chercher donc les deux améliorations qui sont un peu plus loin dans la carte. Sous la carte. Hop. Frein à main. Alors. Donc c'est. Ok, c'est par là. Pom 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 pom. Par ici, par là. Ouais, en fait, pour vous expliquer, j'étais monté quand même à du presque 100%, hein, 90-100% par rapport à la carte graphique. Et là, ici, bah, je suis descendu à 45%, donc c'est vraiment pas logique du tout, quoi. Bon, le petit point, tu veux bien te mettre. Voilà. Alors. Ah, attendez. Je pourrais passer par là. Et c'est ce que je vais faire. Je vais passer par ici. Voilà, allez petit point. C'est vrai que je suis passé ici une fois par rapport pour débloquer la tour de guet qui se trouvait quelque part ici, bas ici. Donc je me rappelle un peu que cette route qui était un petit peu compliquée à atteindre. Voilà, donc on va faire celle-là d'abord et puis on fera l'autre. Je vois un peu le trajet qu'on a. Ouais, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ok, bon, allez, on est parti. Hop. Il est quelle heure d'ailleurs? Il est 11h57. Bon. Alors, bon, là, on a du brouillard. Hein. Oula, oula. Ça glisse vraiment. Je sais pas si c'est vraiment normal ou pas, mais. J'ai l'impression qu'il y a comme de la glace sur le sol. Bon, on voit rien du tout. Hein. Et il faudra que je fasse aussi, c'est la capture d'écran pour faire pour la miniature sur YouTube. On va attendre quand même qu'il y a moins de brouillard hein, pour faire ça. Et franchement, c'est quand même bizarre que j'ai pas touché, y a pas eu de mise à jour ni rien, et que la configuration du jeu bah, s'est remis à 100%, on va dire à fond. Donc du coup, bah, pour les lives, etc., bah, ça le fait pas. Comme ici, voilà, je suis passé ici, bah, directement ici, je suis passé à 87% de consommation PC, donc carte graphique. Je sais pas pourquoi. C'est à mon avis, il y a des zones qui consomment plus que d'autres, mais quand même, quoi. C'est embêtant. Là par contre, je sais pas où je vais. Mais attendez, mais. Je suis passé par où? Moi, je suis passé par là quand même. Oh là là, gardons son calme. On va garder le calme. Hop, on remet ces petits points vite fait. Vite fait, vite fait. Hop, par là. Alors, ici, c'était par ici. Hop. Heureusement que ça ne prend même pas une minute, hein, parce que sinon, ça viendrait vite lassant. Voilà. Bon.
Ouais, non, attendez. J'ai encore baissé, hein, excusez-moi, mais. Je monte à 85% et je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Y a rien qui consomme franchement dans mon PC, donc c'est ça que franchement je comprends pas. On va mettre en moyen, hein, écoutez. Donc c'était de l'herbe. C'est peut-être l'herbe, hein. On va voir ce que ça fait. Ça ne change pas grand-chose, hein. Là, je suis à 87%. Bon, j'ai quand même une des dernières cartes graphiques quand même, à 2080, à 2080, donc faut pas déconner. Non, comment dire, ça m'énerve parce que voilà, j'ai la possibilité quand même de montrer le jeu en full qualité, etc. Et je suis obligé de descendre la qualité parce que le jeu est très mal optimisé, quoi. Et là, voilà, là je redescends directement à 56%, exemple. Donc, oula. Donc c'est ça que je comprends pas. On passe de très haut à même pas la moitié de la puissance, donc bon. Alors, c'est ici alors. Ouais, c'est ici. On freine. On est parti. Donc excusez-moi à mon avis, ouais, pour ces petits lags dans la vidéo, hein, qu'on a vu sur YouTube. Hop. Ouais, c'est vraiment un chemin très très accidenté. Il y a beaucoup de pierres. Avec une musique, hein, qui passe crème. Alors ici, ça sera à droite, c'est ça. Hop, petite marche arrière. Voilà. Ah, c'est vrai qu'après, j'ai remarqué quand même que Streamlabs consomme quand même 11% de la carte graphique. Et je sais pas pourquoi. Même s'il n'y a pas de live. Oula oula. Ça consomme quand même 11%. Là par contre. Le problème c'est que c'est la descente ici. Hein. Si on. Ouais, ça passe, ça passe. C'est vraiment un terrain, une route très très compliquée. Où on peut vite se retourner sans faire vraiment pas attention. Comme c'est pas un jeu de rapidité, mais où il faut vraiment réfléchir. Hein. Comment adapter sa trajectoire, sa route. Alors. C'est vraiment un peu la route de l'enfer. Bon, ça va, on y arrive, on y arrive. Et suivant. Ah, ok. Attention. Ok, frein à main. Ok, donc c'est des amortisseurs, hein, des suspensions surélevées. Ah oui, c'est juste pour le Chevrolet. Chevrolet qu'on a vendu. Ok. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur la route. Pour aller chercher l'autre qui est juste ici. Parce que tout droit, on ne s'est pas passé. Moi, je ne pense. On pourrait peut-être essayer, hein. On va voir si on s'est passé sur le côté, mais ça m'étonnerait. Peut-être faudra aller là en face. Et je voudrais pas me retourner, c'est ça le problème. Attendez. Oula, 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 non, non, non! Je bouge plus. Non, ça n'ira pas. On va devoir faire marche arrière. On va devoir faire marche arrière. Allez, c'est parti. Marche arrière, retour maison. Hein. Bon, bah du coup.
Non, c'est vrai qu'en fait, sous ces bugs et... C'est vrai que bah, c'est frustrant et donc du coup, bah, ça te fait rager, quoi. Ça te fait rager et je trouve ça vraiment dommage. Et ça gâche vraiment le plaisir du jeu, hein, vraiment. Parce que c'est vraiment un jeu auquel j'aime bien, j'aime beaucoup, mais les développeurs ne sont pas derrière, quoi. Bon, du coup, ouais, c'était bien par là, ouais. Pas que je me trompe. Alors, on va tourner ici. Voilà. Donc peut-être que pour le moment je suis, ma tête est blanche, mais avec la chaleur ça risque de changer de couleur et je risque de devenir un petit peu rouge. Ok, ouais, je vais peut-être vous montrer un petit peu vite fait la température qui fait. Si j'y arrive, hop, si le câble veut bien venir avec moi. Voilà, si vous voyez, je sais pas si vous voyez, voilà, 27,4 degrés et dehors il fait 31 degrés. Donc oui, j'ai chaud. Hein. Ça par contre, poser ici. Casser moi. Pas bouger. Hein. Bon, allez, on arrête les bêtises et on y va. Et après, on regardera pour l'émission et avancer enfin dans le jeu. Gagner de l'argent, regarder pour d'autres camions, etc. Et donc, oui, par rapport à Timéo, donc faut savoir qu'on a, j'ai toujours un serveur auquel on jouait bon, il y a un an sur Minecraft. Et donc, en gros, ben, ça, on va encore en discuter, mais il va un peu faire les constructions, etc. Les jeux. Voilà, qui sera donc accessible. Donc, le serveur sera accessible, on va dire, pour les subs. Et vraiment, les personnes qui sont, on va dire, toujours là ou quoi. Ça sera donc un serveur sur whitelisté. Donc, accès choisi. Donc, voilà. Mais on attend vraiment la 1.16 pour mettre tout ce qui est plugin, etc. Et les droits. D'ailleurs, voilà, si vous connaissez quelqu'un ou qui... Attention. Ah, j'en ai marre. Quelqu'un qui est calé... qui est calé donc sur tout ce qui est Minecraft. N'hésitez pas à me contacter en privé. Heureusement qu'on n'était pas loin. Heureusement qu'on n'était pas loin. Parce que certes, oui, c'est des pneus de boue. Mais quand même, sur la route, ça tient quand même un minimum, quoi. Regardez. Regardez comment on glisse. C'est juste pour vous montrer, hein. Ça, je comprends pas, hein. Exemple. Pour moi, ça, c'est pas compréhensible. C'est juste pour vous montrer, hein. Mais voilà. Pour moi, c'est vraiment le jeu. C'est gâché par ces petits trucs-là, quoi. Dès qu'on donne un petit coup de volant, bah, directement, on glisse. On se retourne. Donc oui, là en ce moment je suis en train peut-être un peu de cracher sur le jeu, mais que ça m'ennuie quoi. C'est quand même un jeu avec beaucoup de potentiel et donc je suis obligé de décélérer. Bon. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il faudrait que je prenne aussi contact avec Dalkan par rapport au serveur jeu aussi. Donc c'est un serveur qui est spécialisé dans les jeux. Ça va bientôt arriver, à mon avis, il faut vraiment que je prenne contact avec lui. Au pire, voilà, si tu nous entends ou quoi, Dalkan, n'hésite pas à nous faire signe. Vous voyez l'herbe apparaître tout doucement? Ça, c'est parce que j'ai baissé les graphismes. Par obligation. Bon.
Mais je crois qu'on le voit comme par rapport à mon attitude aujourd'hui, que je suis un petit peu lassé, blasé, on va dire, par le staff du jeu. Hein. C'est comme si en fait le carillon, ben, il avait une roue pétée. Regardez, vous voyez? Comme ça glisse. Pourtant il ne pleut pas, hein, donc s'il pleuvait que la route est glissante, peut-être. Mais même sur la terre, hein, ça glisse. Donc c'est vrai que quand on a un camion, mais c'est un peu la même chose aussi, quoi. Et ça, je trouve ça dommage parce que le jeu, en fait, il va s'étouffer de bugs. Et les gens, bah, en fait, il va s'étouffer par rapport à tout ce qui est bug. Les gens vont se lasser. Mais le jeu en lui-même, il est sympa, quoi, mais... C'est dommage que j'ai pas un peu d'experts là-dedans, dans ce genre de jeu, et qui pourraient me donner un peu leurs avis. Là-dessus. Je suis à la version 4.10. Comme ça, vous pouvez vous situer. D'ailleurs, pour parler de ça, sur Epic Games, il y a deux jeux gratuits. Enfin, deux jeux. Grosso modo, deux jeux. C'est Borderlands 1 et le 2, si je ne me trompe pas. Qui est totalement gratuit. Donc, d'une valeur de 60 euros, je crois. Voilà, donc voilà. Si vous voulez faire... pour vous faire plaisir... Donc c'est des jeux d'aventure où il faut un peu de shooter, hein, un peu de... ouais, bah ça, ouais, c'est l'aventure et la découverte, principalement. Bon, on va pas prendre de l'essence, ça ne sert à rien. Comme à 67 litres. Alors, je crois qu'ici c'était... Oula. À gauche, d'accord. Mais c'est vrai que oui, le début du jeu c'est vraiment galère. D'ailleurs, j'entends beaucoup des gens, youtubeurs ou autres, dire que le début du jeu c'est vraiment la pire galère possible. Et moi, je commence à sortir tout doucement du début du jeu. Hein. C'est vrai que je suis à l'épisode peut-être 16, si je me trompe pas. Mais voilà, donc moi je fais pas, j'ai pas commencé à couper les épisodes ou quoi, comme fait beaucoup de youtubeurs. Non, j'ai pas le temps. Prend beaucoup de temps et c'est vrai qu'aujourd'hui bah faudrait que j'y réapprenne à utiliser un logiciel de montage de vidéos auquel je n'ai plus touché vraiment depuis 2010. Et voilà, donc, et c'est vraiment ça prend vraiment beaucoup de temps et il faut regarder sur internet comment ça fonctionne, etc. Il faut acheter le logiciel. Voilà. J'ai peut-être regardé, peut-être qu'il y a peut-être des informations hein, sur leur site à eux, les prochaines mises à jour ou patch qu'ils pourraient avoir sur ce jeu, parce que... Surtout que voilà, j'ai quand même pris la version avec le pass, la version complète. Donc voilà pourquoi aussi j'ai le Marshall. Voilà, on y est. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué hein? Petite marche arrière. Alors. Donc le moteur. Pas disponible pour ce véhicule, d'accord. Donc c'est une refonte complète du design original. Une puissance brute, donc c'est quoi ça? C'est un moteur? C'est même là, hein. Consommation de carburant. C'est pour quel véhicule? Donc toujours pour le Chevrolet qu'on avait du début, hein, qu'on l'a vendu. D'accord, bon. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va regarder un petit peu ce qu'on va faire par la suite. Voilà, bon, soit. Hop, on coupe le moteur, frein à main, carte. Alors, donc par rapport aux améliorations, on avait tout pris sur cette carte. Ouais, donc ça c'est bon, les ponts c'était bon. Alors, les missions. Provisions pour l'hiver. Ouais, mais j'ai pas envie, et c'est verrouillé en plus. Terminer forage. Et c'est cool, ça, forage. Quand on a perdu, il en reste un. Avec grue, ouf, laisse tomber. Un forage, c'est ici. C'est ici. Bon. Du coup,
poutre de métal, c'est ici. Livré au site de forage, qui est ici. D'accord, donc tac, tac, tac. Ah ouais, mais du coup, il va falloir aller le chercher ici, hein, donc prendre le camion. Donc poutre de métal, deux métal, donc quoi, ouais, il faudra une remorque alors. Faudrait une remorque. Parce que poutre métal, on sait qu'on prend une seule dans notre camion. Donc faudra aller chercher ici la remorque. Remorque à rambarde. Comme ça on pourra en prendre deux. Et fait, après faire tout le tour d'ici. Ah ouais, ça va, on avait réparé ici le... Ouais. Ce qui va prendre un petit peu de temps. Et ici ça va être un peu compliqué hein, pour passer. Hein. Ouais, on va faire ça, hein, écoutez. On va faire ça. Bon, du coup, ben, on va l'activer. On va revenir au garage. Voilà, on va changer de camion. Hop. Et je ne pense pas qu'ici, on avait une autre remorque, justement. Je crois qu'à chaque fois, on les déplace et on les ramène pas. Et j'ai pas envie de racheter, une autre remorque. C'est un peu, on va dire, de l'argent gaspillé. Bon, du coup, on va commencer à se mettre les petits points. Alors, je regarde ici. Ah bah ici, on a une remorque. Remorque. Ah ouais, mais c'est une remorque de carburant, donc non. Et ça, c'est quoi? Plateau, ouais, ça c'est trop grand. Ouais, donc on va devoir faire ça. Bon. Hop, on se met les petits points. Voilà. Hop, donc... On va d'abord chercher la remorque, hein, on est à vide donc ça va, ça sera facile. Mais en théorie, j'espère que la remorque ici est bonne. Voilà, donc on va déjà faire ça. Je vais peut-être mettre aussi le jour, hein, le jour pour ceux qui nous regardent surtout sur YouTube. Hop, hein. Voilà. Et le matin on a toujours du brouillard, hein, c'est un petit peu une habitude qu'on commence à taper dans le jeu. Voilà. Bon, en tout cas, exemple avec le camion, on voit que ça glisse quand même. Mais comme il est plus lourd, il glisse un petit peu moins, donc il tient un peu plus la route que le Marshall. Mais bon, encore une fois, je trouve pas ça vraiment logique, quoi. Donc, je vais te rapprocher. Voilà, je me mets mieux quand même. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que la remorque qu'on va chercher, bah, c'est ce qu'il faut. Parce que si je me rappelle bien, les poutres en métal, ouais, ça prend vraiment tout emplacement de ma benne derrière. Et j'ai pas envie de faire deux fois le trajet, ce serait quand même un peu ballot quand même, pour le faire en une fois. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors. Les températures qui augmentent, fait déjà 29,2 degrés, hein, où je suis. C'est fabuleux. Hein. Et normalement, jeudi, enfin, il va commencer à pleuvoir, après... Ouais, peut-être 3-4 mois quand même sans pluie, hein. Vraiment sans pluie. Il a plu quelques petites gouttes, hein, certes, en se retournant, mais c'est pas ça qui fait que... On va dire que ça a juste humidifié les feuilles, quoi. Bon. En tout cas, voilà, donc peut-être que mercredi, il y aura peut-être du Minecraft Dungeon ou jeudi. Vraiment, c'est à voir... C'est vraiment à voir en fonction du stock. Oh, GG pour ton niveau 26, Timéo. GG à toi. Alors. On est sûr que ça ira dans les tournants vraiment avec ce camion. Avec une remorque en plus. Bon, c'est pas grave. Un petit dégât. Tum 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 tum. Donc, ici à droite. Attention, voilà.
Donc ouais, demain on a rendez-vous. Enfin, moi et Blaise, on a rendez-vous par rapport pour parler sur le site internet hein, qu'on va construire. Donc on va voir un peu comment ça va se passer tout doucement, un petit peu aussi voir pour les t-shirts. Ce serait donc après mon live. Attends, ah non, avant, parce que mardi, ouais, c'est le live cinéma. Donc demain. Attends, je me trompe pas. On est quel jour? On est bien lundi, hein? Attendez. On est lundi, c'est ça. Donc demain. Ouais. Ça ne change pas en termes d'horaire hein, pour vous. Ah si. Ah si, on commence plus tôt. On commence à 18h30 pour le cinéma. Voilà, 18h30. On commence 30 minutes plus tôt, mais au moins, voilà, on a plus de temps. On gagne 30 minutes, quoi. Pour nous préparer les petites questions, etc. Même si tout est déjà pratiquement fait. Donc, normalement, pour les gens de YouTube, hein, normalement, ça sera déjà pratiquement fait ou quoi, hein, quand vous verrez cette vidéo. Alors, bon, on y arrive. Alors, on va voir un petit peu si c'est bon. Il y a des choses dedans, donc on va jeter hein, pour le coup. Voilà, et on va récupérer donc cette remorque. J'espère qu'on peut les jeter d'ailleurs. C'est bizarre quand même que pour la vue cockpit, j'arrive plus à rentrer dedans. Ah si, bah voilà, ça a changé de touche. C'était avant la touche 2 et maintenant ça touche 1. Ah bon. Remorque découverte, merci. D'ailleurs, je suis au niveau combien? Niveau 5. D'accord. Hop. Je vais encore me rapprocher. On va atteler la remorque. Impec. Et maintenant, je voudrais enlever la cargaison. C'est du bois et le bois. On n'a pas besoin. Voilà. Et on est parti pour aller chercher ça. On le voit. Hein. Après, ouais, je suis resté un peu embourbé. Mais... Pire des cas, voilà, on met les roues motrices. Et ça passe beaucoup mieux. Bon, donc. Hop, on va se remettre les petits points. Donc nous, on est ici. On va quand même... Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter ici à droite. Voilà. Et sur le retour, on va repasser ici, faire le plein d'essence. Voilà. Mais non. Allez, mets-toi. Hein. Oh, que c'est chiant. Voilà. Ok, bon, on est parti. Allez, quand même. Oh. Ouais, le plein, ça devrait aller. Hein, donc, temps d'aller chercher tout ça, de faire le petit plein pour être tranquille sur le trajet, etc. Normalement, il devrait pas avoir de problème. Voilà. Mais c'est vrai que sinon, à part vraiment ces jeux-là, je sais pas ce que je pourrais vraiment liver. Mais bon, voilà. Ce jeu a quand même pas mal de. Il a quand même pas mal d'heures à passer dessus. Hein. On est que niveau 4, hein, donc. On a quand même plein de maps accès à faire, mais. Et pour varier parfois un petit peu, voilà, si on n'a plus envie de jouer à ce jeu-là, bah. Enfin, faire une petite pause, hein, comme on appelle. Comme on dit. C'est pour ça d'ailleurs que je sais plus que. Je sais... Enfin. C'est celle quand même de mettre un autre jeu. Bon, ici, c'est exemple Minecraft Donjon que je voudrais faire. Pour un peu. En attendant aussi qu'il y a des mises à jour hein, sur ce jeu-là. C'est aussi pour ça. Qu'il n'y aurait pas un peu tout ce bordel, tous ces bugs.
Bon, par contre, s'il n'y a pas de... Si les poutres, je peux en mettre deux. Je m'a l'air un peu bête. Mais je pense pas. Je pense que j'ai eu raison. Hop. Donc ça sera la première fois, si je m'abuse, d'avoir deux trucs. Deux conteneurs. Enfin, deux remorques. C'est comme la vie. Hein. Regardez, là, on voit de l'ombre d'oiseaux. Hein. On voit hein, par terre. Hein. On voit. Hein. Mais si on regarde en l'air. Ah, voilà. On voit les oiseaux, mais c'est tout ce qu'il y a, quoi. C'est tout ce qu'il y a en termes de vie. Je sais, je le répète souvent, quoi. C'est vraiment dommage. Bon, attention ici. Hop, on va le prendre de large. Ça passe. Voilà. Ok. On tourne, on tourne. Ok. Cargaison. Donc j'avais raison. Pousse en métal, voilà. Donc, un. Et comment je mets pour le deuxième? Pourquoi je peux pas mettre sur le deuxième? Ou je l'avance? C'est débile. Ah ouais, ok. Ouais, mais mets-le. Pas cette place, pourquoi? Ah, ok. D'accord, ok. Voilà. Donc au moins, on a les deux poutres en métal. Là, on va sentir un gros poids. On va se faire un gros poids. Hop, on arrête le moteur, frein à main. Et on commence à mettre les petits points. Donc, c'était ici. Donc, il va le faire livrer ici, donc. Ok. T'aurais été puissant de passer par là, mais c'est pas possible. Bon. On passe par ici, par ici. On fait un petit tour pour le cœur bubu. J'espère qu'il sera allé hein, pour passer. Hein. Et voilà pourquoi aussi hein, j'ai réparé les ponts, c'est pour pouvoir passer plus tranquillement et en évitant tout ce qui est chemin de terre. Ici le pont aussi, hein, le pont. La poutre électrique était tombée. Hein. Ah, mais si on a un truc pour essence aussi. Ouais. Problème, c'est que je pourrais pas. Est-ce que je peux dépasser le point? Non. Même le point, on peut pas déplacer. Ça aurait été bien, disons, de pouvoir déplacer le point sans devoir annuler le reste. Donc, si, on verra bien par rapport au plein, pour le coup. On passe par ici. Donc voilà, les caisses qu'on avait fait tomber sont toujours là. Donc ça reste. Ou alors non, j'ai passé par ici. Hein. Je vais passer par ici. Hein. C'est quand même plus près. Après, quand on dit que c'est plus près, c'est pas que ça soit, que c'est pas que c'est mieux. Voilà. Donc le pont qu'on a réparé aussi. Et on le pose ici. D'ailleurs, ce que je vais faire aussi, c'est aller boire un petit coup. Quand même, hein, faut pas oublier de boire. Ouais, ben voilà. On les a atteints. Les 30 degrés. On les a atteints. Si vous voulez voir. On les a atteints. Voilà. Bon, je vais boire un petit coup. C'est vrai que dans les prochains jours, il va faire un peu plus frais. En tout cas, pas encore demain, mais à partir de jeudi, hein, quand la pluie va enfin arriver. Oh, ça, j'ai eu peur que le point ne partait pas. Ok, bon, on va tourner. Petite marche arrière. Alors. Oula, oula, oula.
Donc vite fait aussi, hein, voilà, que je change de camion, que je trouve des améliorations. Parce que tout est débloqué à partir du niveau 6, donc à partir du niveau suivant. Il y a beaucoup de choses qui se débloquent et c'est à partir de là vraiment que le jeu devient vraiment très intéressant. Mais en plus, si je regarde. Je sais pas si on arrivera hein, dans cette session. Si je survis à la chaleur. Que vraiment ce jeu demande assez bien de ressources et donc le PC il chauffe. C'est comme si j'avais un chauffage à côté quoi. Alors bon, on va faire un petit passage essence. Ok. 59 litres, impeccable. Et au moins comme ça on est tranquille, on y verra bien par la suite. Donc on va passer devant une deuxième station essence, donc ce qui n'est pas un souci, on est sûr de pas manquer d'essence. Est-ce qu'on va passer ici en une fois? Il y a l'air, bah ça va. Je pensais qu'on allait galérer, franchement je pensais qu'on allait galérer ici. Hein. Parce que ça remonte quand même, on passe dans l'eau. Ok. Attention, quand ça perd le contrôle, on se remet droit. On fait une petite vue à l'intérieur. Comme ça, voilà, on pouvait voir un petit peu comment c'est à l'intérieur. Par contre, effectivement, pour tourner, ça peut être un peu plus galère. Voilà. C'est vrai que c'est quand même plus pratique hein, la vue en extérieur. Bon. Mais en tout cas, hier j'étais quand même content par rapport à comment ça a bien fonctionné, que ça c'était. Voilà. Vous avez aimé. Donc je rappelle, hein, Koh-Lanta c'est tous les dimanches. Donc c'est la saison 16. Donc ça date de 2017 je crois. Pas 2017, si? Non, pas 2017, 2007 je crois, je ne sais plus. Au pire voilà, vous pouvez aller regarder hein, vite fait. Donc la saison 16, c'est l'île au trésor. Parce que forcément on peut pas. Parce que normalement on peut pas diffuser la dernière saison. Et puis voilà, les saisons que je mets sont quand même disponibles sur YouTube. Et pour moi, si c'est disponible sur YouTube, c'est que voilà, on peut le diffuser. Parce qu'elle est déjà disponible au public, donc. Pour le partager avec vous. Ça peut toujours être sympa. Bon, en tout cas, ici, pour le moment, on est sur la partie facile. On va voir par la suite. Hein. On voit quand même que le jeu se complique tout doucement. Parce que c'est la première fois que voilà, on a amené à prendre. Que je prenne une remorque en plus. Allez. On va mettre les quatre motrices. On voit le poids là. Hein. Là, on commence à comprendre un peu le poids. Hop, on en les enlève pour le carburant. Donc, je vais voir un petit peu sur la carte où on se trouve. D'accord. On arrive bientôt. Ok. Donc là, c'est encore pas facile. Et c'est ici que ça va être la partie compliquée. Ok. En tout cas, en termes de carburant, je pense pas devoir le faire. Hein. Ça devra aller quand même. On va pas perdre de temps à faire le plein. On a fait vraiment plus de la moitié, ouais. Ça va, ça ira. Ça ira, ça ira. Allez. En plus, voilà, il faudrait tourner. Oh, non, c'est bon. Bon, à partir de maintenant, j'ai commencé à me concentrer. Hein. Il faudrait pas que je me retourne. J'espère d'ailleurs que cette mission va quand même rapporter assez bien d'argent, surtout d'XP. Hein. Parce que là, hein,
Regarde, là on voit hein, que le camion, j'ai pas, j'appuie toujours sur la touche pour accélérer. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est, je voudrais acheter un autre camion plus puissant, quoi. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Mais si on met les quatre roues, ça change quoi? Ça change rien. Donc, bon. Moi, c'est le moteur hein, qui manque un peu de souffle. Puis les potomètres, bon voilà, il y a quand même son poids. Oh, bienvenue à toi, Titi. J'espère que tu vas bien. Alors. Hop, on va tourner tout doucement. J'espère que tout se passe bien de ton côté, que t'as pas trop chaud. T'as pas trop chaud, moi, de où je suis, bah, il fait presque 31 degrés. Donc je suis en train de mourir de chaume. Sinon, moi ça va. Bon, on va pas prendre trop de vitesse. Ok. Ah ouais, c'est vrai qu'ici on était resté embourbé, hein, je me rappelle. On va essayer de passer un peu sous le côté. Ce qui est. Je crois que ça passe. Ouais, ça passe. Ça passe. Hop, on met les quatre roues motrices. Pourquoi avoir pris le chemin le plus long? Ouf, le plus long, hein. Tu trouves que c'est le plus long, toi? Attends. J'ai coupé le moteur. Bah, le plus long, non, parce qu'ici, on pouvait pas passer, hein. Ici, c'était vraiment le. C'est pas passable, hein. Donc, j'avais pas le choix de prendre le chemin le plus long, hein. Puis, bon, là, on est bientôt arrivé, donc. Voilà, pour répondre à ta question. Sinon, oui, si j'aurais passé par ici. Enfin, je sais pas si j'aurais passé, clairement, je sais pas. Je sais pas si mon camion est assez puissant ou pas, déjà qu'il galère par certains endroits, donc... derrière, la série, hein. Ouais, c'est bien ce que je disais, donc ici. Donc la série qui est ici, hein, et puis ici, mais là je pense pas qu'il passe, je suis pas sûr. Pas dessus, là. Titi. Mais je suis pas sûr qu'il passe, donc... Et je vois pas d'autres chemins aussi, non. À part voilà, si on peut faire... Ouais, là, c'est pas possible non plus. Si ça passe, l'eau n'est pas... Ah, bah d'accord, bah, je le sais pour la prochaine fois. Bah, merci, merci à toi. Je le saurai pour la prochaine fois. Bah voilà, donc au pire, voilà, on est presque arrivé, donc... Bah, c'est grâce justement à des commentaires un petit peu de vous auxquels voilà, on progresse dans le jeu et qu'on ait un peu les astuces. Voilà. Mais je le saurai pour la prochaine fois, voilà. En tout cas, voilà, on est bientôt arrivé et c'est ce qui compte. Alors, t'as le jeu toi alors d'ailleurs, si je comprends bien, Titi. Allez, allez, allez. Et il galère, hein, il galère. Hein. Vas-y, au retour, il y a une amélioration à choper en plus. Mais j'ai déjà tout pris hein, en termes d'amélioration. Où ça? Si elle y avait... Ouais, elle était ici, mais je l'ai pris déjà. J'ai déjà tout pris, hein. J'ai déjà réparé tous les ponts. Et tout ce qui est amélioration, j'ai pris aussi. Enfin, en tout cas, il n'y a plus rien sur la carte. Comme tu peux voir. Hop. Ouais, level 19, de quoi level 10? Ah, t'es niveau 19! Ah ouais, quand même. Je suis niveau que 5, hein. Il y a des marchands cachés. Ah, bon, écoute, je ferai ça alors. Hop, on va essayer de pas se retourner ici. C'est vrai que j'ai pas pensé qu'il y avait... Ok, ça passe. Donc, tu veux me dire qu'il y a quand même des améliorations qui sont là, qui sont pas affichées sur la carte? Et qui sont cachés, donc on les découvre, on va dire, en se promenant. Bon. Ah, les petits camions. Tout doucement, mais sûrement. Oui, exact, amélioration en se promenant. D'accord, mais écoute, je ferai ça. Enfin, on est bientôt arrivé. Hein.
On va essayer de passer un peu plus à droite pour éviter un petit peu le lac. Enfin, la grosse boue. Voilà. On va mettre les roues motrices. Mais pour le moment, on n'a eu que pour le Chevrolet, donc c'est ça qui est un peu dommage. Chevrolet, le scout hein, auquel j'ai vendu, parce que j'ai le Marshall. Cinq, six par map, de quoi de l'amélioration cachée hein. En plus de ce qui est affiché alors. Attendez, là on va essayer de passer directement à gauche. Sinon ça va être la galère, galère, galère. Et tu joues sur quoi toi d'ailleurs, sur PC ou les consoles? Alors, oui, en plus de ce qui est... Ah, d'accord. Ok. Ben, merci. Merci de me l'avoir dit, parce que franchement, je ne pensais pas, donc... Ok, bon. Impec. Et puis maintenant, il va falloir foreuse à pétrole. PC, mais en solo, pas du coup, ça bug. Ah, t'es qu'en solo, alors? Ah, t'es en coop, d'accord. Voilà, pour le moment, je suis qu'en solo parce que j'ai pas, on va dire, d'amis qui jouent vraiment sur le jeu, donc c'est qui est un petit peu dommage. Bon, du coup, on va venir par ici, on va repasser par là et on va voir. Hein. Je vais essayer de prendre la remorque hein, si c'est facile à prendre. Ça, je la ramène pour une prochaine fois. Hop. Non, c'est vrai que quand on est tout seul, c'est long, c'est chiant parce que voilà, tu te bloques, tu dois faire un retour garage, tu prends plus de temps. C'est un peu plus chiant, je trouve. Alors. On est à 152 litres, c'est largement suffisant. Bon. Donc j'espère que je vais le trouver, hein, ce point caché. Ah oui, la voiture, je suppose. Ah ouais, bah effectivement. Là maintenant on le voit, je suppose. Ah non, on le voit pas. Ah, effectivement, c'est vraiment un point. Mais merci hein, de me l'avoir dit. J'espère que ça pourra améliorer mon équipement. On va voir. Amélioration découverte. Alors, pour les routes hors piste. Playstar, c'est un véhicule qu'on n'a pas. Mais bon. En tout cas, merci hein, de me l'avoir dit. Hein. Et on va directement tester le chemin auquel je vois qu'il n'est pas très profond, effectivement. Maintenant, voilà, je le sais pour la prochaine fois, et c'est vrai que j'aurais pu passer... Hein, j'aurais pu passer, finalement. Mais sans le savoir, et... ouais. Bon, du coup, on va regarder pour la suite. Hop, alors. Le Playster est un très bon camion. Mais c'est pas le camion qu'on a au début du jeu, je me rappelle plus. Alors, ah oui, ça, ok, va falloir aller le chercher. Hein. Bon, nous on est où hein? On est ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passage vite fait à la station essence. Et on va aller chercher la foreuse, mais la foreuse. Il nous dit pas qu'il faut prendre une foreuse, mais ça va passer hein, face à notre truc. Je sais pas, on verra.
On verra, on verra. À force, tu connaîtras les bons et mauvais chemins. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça que je me dis. Hein. Bon. Du coup, hein. On va passer par là. Hop. Et du coup, t'es sur quelle map, Titi, en ce moment? Et la remorque, je vais la laisser ici quelque part. Hein. Au moins, elle sera assez proche. Voilà, on va faire comme ça pour le moment. Ouais, c'est ça, on va connaître les chemins et ça sera plus facile, quoi. En tout cas, hâte d'avoir un camion un peu plus puissant quand même. En tout cas, bonjour à tout le monde qui arrive sur le live. J'espère que vous allez bien. Bon, donc on va faire le carburant. On va aller sur l'autre map, chercher la foreuse à pétrole. Alors, Michigan, quasi fini. Hein. Non, mais par ici, je peux pas passer, moi. Attends, je vais lire la suite de commentaires juste après. Est-ce qu'on peut casser ça? Voilà. Fini. Russie, rien fait. Et Alaska, la moitié. Ouais. L'Alaska, je compte peut-être la faire en dernier. Parce que l'Alaska, il faut avoir les pneus à chaîne. Et je crois que c'est qu'au niveau 17, je crois qu'on débloque au niveau 12, je ne sais plus. Que ça, je ferai plutôt en dernier. Donc ici je vais avancer, j'ai essayé d'avancer beaucoup sur cette map-ci, hein, sur Michigan et la suite on verra. On verra, on verra. Voilà, bon. Du coup j'espère que j'ai le bon remorquage, hein. C'est ça que j'ai peur pour la foreuse à pétrole. Normalement là, il n'y a pas eu de spécification dite dans la mission, donc pour moi je pense que oui. Oui, je te conseille de bien avancer au Michigan avant d'aller ailleurs. Bah ouais, c'est ce que je compte faire. Bah, merci hein, de ton conseil. Mais c'est ce que je comptais déjà faire. Et oui, j'ai quand même suivi un petit peu quelques lives. Hein, j'ai bien vu que c'est un peu galère. C'est bizarre d'ailleurs que Michigan est proposé, on va dire, en deuxième point. Ah, c'est vrai que lui, je l'ai. Lui, je vais le mettre où? Moi, je l'ai oublié de le déposer. La foreuse a besoin de 4 slots. Attends, donc tu me conseilles de prendre alors une remorque alors? Avec 4, il faudra changer de remorque. Ah. Ah ouais, mais c'est ça le problème, c'est que je ne sais pas ce qu'il faut et. Et si on doit changer de remorque, il faut retourner au garage. Là pour le coup, je suis embêté. Parce que je vois pas à quoi ça ressemble en fait, la foreuse à pétrole. Je vois pas du tout à quoi ça ressemble. Si c'est vraiment une machine qui prend tout le long ou alors c'est juste des pièces. 3 ou 4, j'ai un doute. Mais c'est ouais, c'est une fourrure, mais c'est une pièce en entière, quoi. C'est ça que je veux dire. Parce que ici, si on regarde sur la carte, on a ici, je sais pas combien ça fait, hein, on a ici une remorque à plateau. Donc je sais pas si c'est marqué 4. Donc je suppose que ça devrait être bon. Si je prends ça, il est marqué 4 dessus. Hein. C'est une grosse machine. Ouais, bah, du coup, j'ai cherché ça alors. Hein. La remorque à plateau. Hein. Il est marqué 4, donc je suppose que c'est pour 4. Ouais, bah. Écoute, alors je vais faire demi-tour ici. On va enlever les points. Hop. Mais ça aussi, c'est dommage que c'est pas spécifié dans le jeu. Parce que pour le coup, bah, tu te fais des allers-retours un peu pour rien. Oui, parfait, bah, impeccable. Donc, du coup, bah, j'ai ramené la remorque ici. En même temps. Hop. Hop, petite marche arrière. Le mieux est de récupérer. Ton camion dans ton garage. Ouais, mais du coup, toi, la remorque, elle reste là. Tandis que si je le ramène plus loin, bah, peut-être que j'en aurai besoin par après. Et ça sera plus facile. Hein. De toute façon, je vais devoir passer. Je vais devoir passer pour chercher le carburant. À mon avis, je crois que j'aurai assez.
pour faire l'aller-retour. Il mange, je pense, quand même. C'est juste pour ramener la remorque, en fait. C'est juste pour ça. Sinon, effectivement, j'aurais fait un aller-garage qui est quand même plus rapide. Ouais, meuf. Ouais. Après, voilà, je suis pas loin, hein, faut être honnête. Hein. Je suis pas loin non plus. Mais je comprends ce que tu veux dire. Après, voilà, j'ai pas envie de faire non plus des trucs qui sont trop en off. Tu peux même les vendre. Ouais, mais ça, il faudra aussi c'est les ramener, hein, je crois, au garage, hein, à chaque fois. Il y a qu'au garage qu'on peut les vendre, je crois. Bon. Donc, entre guillemets, le temps, hein, je suis là normalement jusqu'au gros maximum 19h. Donc, à ce niveau-là. Au magasin de remorque. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors. Voilà, on y arrive. La remorque, je vais la mettre. J'essaie de la mettre sur le côté. Allez, mets-toi. Je suis pas un pilote, hein. Petite astuce, si tu as pas de carburant, achète une citerne et fais le plein et vends là dans la foulée. Ah. Ok. Détaché. Et du coup, je vais aller chercher la remorque ici même. Bon, faudra dégager un peu tout ce qu'il y a dessus. Et quoi, donc du coup, la citerne carburant, tu la laisses sur le côté de la route alors? Tu la remplis, tu la laisses sur un côté et... Voilà. Hop, atteler. Alors, déballer cargaison. On va enlever tout ça. Mince. Enlever cargaison. Hop. Allez. Voilà. Et on est parti. Tu l'achètes au magasin, tu fais le plein sur place et tu la revends au même prix. Ah. Ah d'accord, oui. Ok, j'ai compris. Tu auras fait le plein gratis. Ouais. C'est vrai que quand t'achètes quelque chose, tu peux la revendre totalement gratuit. Ouais, effectivement. Ouais. Donc du coup, ouais, pour les maps où il n'y a pas vraiment de garage ou si c'est loin et qu'on a un magasin de remorque. Ouais, effectivement. Ouais, mais ça c'est une chouette idée, ouais, merci. Merci de ton conseil qui peut être vraiment pas mal. Effectivement. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Et donc du coup, la remorque, elle arrive directement remplie, quoi. Si je comprends bien. Bon, on va se remettre les petits points vite fait. Hop. Ça, on n'oublie pas de faire le plein. En tout cas, c'est vrai que ça peut être vraiment être intéressant de faire le plein gratuit. Voilà, si tu es loin d'une station ou d'un garage. Ou du garage, ouais. Ouais, effectivement, ouais. En tout cas, merci de ton astuce. Hein. Donc, grâce à toi, bah, j'ai débloqué quand même une amélioration que je ne savais pas. Et je savais pas qu'il voilà, pourrait en avoir des cachés à gauche et à droite. Tu m'as donné l'astuce ici par rapport au camion. Voilà, je galère là. Et aussi par rapport au passage de la série. Donc, c'est ça que l'avantage voilà, de jouer un petit peu avec vous, bah, c'est qu'on peut s'améliorer. Hein. Et partager ben voilà, un contenu. Hein. Ah, et d'ailleurs, pour YouTube, on s'arrête là, hein, parce qu'on a déjà dépassé un peu le temps. Donc, ciao YouTube, on se retrouve pour l'épisode 17, si je me trompe pas.